shadow crosses my what it takes to come alive. De la RDC, superbe frappe, et on vous l'avait dit, je vous l'avais signalé quelques secondes auparavant, chaque coup de pied arrêté est important, mais ce coup-ci a été décisif, ce coup-ci arrêté, un missile a été envoyé, et bien dans les cages de Yiran Bohani, belle égalisation de la RDC, un parcours en train de manier la RDC, je vous l'avais dit, et bien, ce match coup de pied, vraiment un très bon match entre décalage et le but qui est ouvert à lui tout seul. Superbe frappe, superbe coup franc, magnifique, magistral. Jeune Ngoï et Momo qui vient apporter la percussion qui faisait défaut jusqu'ici. Ngoï et Momo, les jeunes joueurs des Sharks passés à l'ASV Club cette saison, s'est fait justice et transforme la sentence en deux temps après sa première tentative de fanning qui a manqué devant le gardien Mohamed Owaidi. Le Leroy applaudit parce que son équipe a bien réagi. Mais dans la foulée, l'équipe congolaise rétendre. Elle est cadrée et la bonne sortie n'est pas terminée. Regardez, c'est la frappe de l'attaquant. C'est un défenseur hein, qui est venu apporter main forte. C'était Koy et Momo. Et Momo, la frappe de Momo qui passe tout juste à côté de la lucarne droite du gardien Irango Ali, alors que Irango Ali avait bien réagi. Dodi Loxen. Risma Vinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.